Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont touché. Moi, d'abord, c'est de se laisser un peu abandonner à un projet qui était un peu fou, audacieux, d'avoir 50 personnes de tous âges et beaucoup de petits sur des chemins d'Eure-et-Loir. On a eu des moments seuls, des moments de prière, on a eu des moments en famille, on a eu des moments en couple. La joie, c'était de faire la rencontre de gens très merveilleux. J'ai rencontré Jésus à travers l'autre aussi, dans le service. C'est une belle école aussi de la fraternité. Des gens très différents et on s'est aidé, on s'est porté, on s'est un peu supporté. La plus grande joie, je pense, c'est d'avoir fait ce télé en famille. Ça m'a apporté de m'apaiser, de me poser, de devenir plus Marie que Marthe. J'ai beaucoup admiré ces familles qui étaient très généreuses au fond et très simples. Qu'elles aient pu faire une randonnée équilibrée, quoi, qui leur a apporté en même temps de l'effort mais beaucoup de bonheur. On a eu de la chance d'avoir énormément d'aide de la part des autres enfants et des autres parents. J'ai hâte de dormir à la Belle Étoile. Et moi j'ai bien aimé quand j'ai fait le chapelet. À la fin de chaque parcours avec le Christ, il y a quelque chose de très beau. Toucher un peu de l'amour du Seigneur à travers les autres, à travers ma famille aussi, mon épouse et sa parole. C'était léger et c'était profond, quoi. Léger et profond, c'est vivant, les cris d'enfants, forcément il y en avait, mais c'était beau. Dans ma vie de foi, dans ma vie de famille, j'ai sincèrement que du bon. Ça a été une vraie pause ressourçante. Il y a un vrai esprit de fraternité et on s'est tous vraiment aimés les uns les autres, il y a beaucoup de charité aussi. On a bien aimé être là, on a bien aimé. Est-ce que vous êtes fait des copains? Oui. C'est qui vos copains? Toutes les bandes. Les enfants sont source d'émerveillement et c'est vraiment une semaine pour s'en rendre compte et de jouer avec les enfants, clairement. Un beau cadeau pour toute la famille. À l'année prochaine et dans 25 ans.